Ivoirien et Ivoirien, mes chers compatriotes, bonne heureuse année 2019. Santé, bonheur, amour, joie, prospérité à toutes les familles ivoiriennes à l'occasion de cette année nouvelle. L'année 2018 a vu la libération de la première dame Simone Veil Gbagbo et des prisonniers politiques civils. Et je suis convaincu que l'année 2019 verra la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé des geôles de la Cour pénale internationale où ils sont injustement incarcérés. En réalité, ce début d'année 2019 verra leur libération. Et je rends déjà gloire à Dieu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances pour leur libération, car lui seul est à la base de ce miracle qui va se produire. L'explosion de joie observée dans le monde et en Côte d'Ivoire à l'annonce de leur libération est la preuve que cette libération est consensuelle, attendue par tout le peuple et par toutes les populations à travers le monde. Je suis également convaincu que 2019 verra la libération de tous les prisonniers politiques militaires en Côte d'Ivoire. Ivoiriennes et Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel au président de la République, Alassane Ouattara, afin qu'il annonce dans ses vœux de nouvel an 2019 leur libération. Monsieur le Président, je vous demande également avec insistance de renoncer à un troisième mandat et d'annoncer votre retrait du pouvoir en 2020. Car plusieurs de vos partisans du RDR, du RHDP, Parti Unifié, vous incitent à violer la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Ceci est évidemment inacceptable, Monsieur le Président. En effet, l'article 183 de la Constitution de 2016 établit que tous les articles de la Constitution de 2000 qui n'ont pas été révisés s'appliquent automatiquement par effet de continuité législative, Monsieur le Président. La Constitution de 2000 qui établissait en son article 35 que le Président de la République était élu pour un mandat de 5 ans, renouvelé une seule fois, s'applique automatiquement dans la Constitution de 2016 en son article 55. Concernant la réforme de la Commission électorale indépendante, Monsieur le Président, elle doit se faire maintenant, comme vous l'avez promis dans votre adresse à la nation, de la fête de l'indépendance du 6 août 2018 et non plus tard. Mais depuis, vous avez réuni votre parole trois fois, Monsieur le Président, comme Judas dans la Bible qui a réuni Jésus trois fois avant même que le soleil ne se soit levé. Monsieur le Président, la parole présidentielle est sacrée car c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est pourquoi je vous demande de respecter votre parole et d'annoncer maintenant la dissolution de la commission électorale indépendante, inspirée, périmée et à qui la Cour africaine des droits de l'homme a enjoint de réformer car elle n'est plus conforme aux normes internationales, Monsieur le Président. Car si nous voulons des élections justes, équitables et transparentes en 2020, c'est dès maintenant que cette réforme doit se faire, Monsieur le Président. Dans la foulée, je vous invite, Monsieur le Président, à recevoir dans la publicité les leaders de l'opposition, EDS FTI et le PDCI RDA, pour le dialogue direct, tant attendu, afin de poser les bases solides de l'alternance irréversible et apaisée qui se dessine à l'horizon en 2020, Monsieur le Président. Le RPCA, c'est dont je suis le leader qui a rassuré tous les partisans du RDR au pouvoir et du parti RHDP unifié, qu'il n'y aura pas de vengeance ni de chasse aux sorcières en 2020 lorsque les Gbagbolis seront au retour aux affaires et qu'aucun membre de l'équipe dirigeante à Tonissa contraint à l'exil. Le RPCA s'est réjoui que son appel à une alliance entre le FPEDS et le PDC ait été entendu par le président Henri Conan Bédier, qui a appelé à la libération du président Laurent Gbagbo et qui a dit clairement avoir informé et demandé au président Laurent Gbagbo d'amorcer le dialogue avec le FPI et que ce dernier a accepté. Que cela soit clair pour tous, 2020 verra le retour des Gbagboïstes et de leurs alliés au pouvoir afin de sauver la Côte d'Ivoire qui n'arrête pas de s'enfoncer dans l'abîme. Le pays va mal, en effet très mal par la faute des actuels dirigeants. Et le pays est devenu un mouroir où les leaders politiques meurent subitement d'arrêt cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et souvent en direct à la télévision nationale. C'est la psychose qui s'est emparée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après le règne des voyous microbes, c'est le règne désormais des empoisonneurs, pourront-on dire. Sur le plan économique, le cacao qui représente 15% du PIB et 50% des recettes d'exportation et surtout les deux tiers des emplois directs et indirects selon la Banque mondiale a vu ses coûts s'effondrer de 40%. Lorsqu'ils avaient atteint des niveaux records en 2016, le gouvernement avait annoncé que les excédents des ressources allaient être reversés au fonds de réserve du Conseil du café cacao et servir de fonds tampon en cas de chute des prix. Ces fonds de réserve, selon les informations, qui avaient atteint un niveau record de 400 milliards de francs CFA, mais n'a pas joué son rôle lorsque les prix se sont
ont dévissé de 40% en 2017, ces fonds s'est volatilisé. Et les paysans ivoiriens ont vu leur rémunération plonger de 1100 francs CFA à 700 francs CFA le prix du kilogramme de cacao. Les ivoiriens qui n'ont jamais vu les fruits de la croissance à 8-9% inventé par le gouvernement se sont installés durement dans la pauvreté. En effet, près de la moitié des ivoiriens sont pauvres sous le régime d'Alassane Ouattara, selon un rapport de l'INSEA et de l'Agence française de développement, du fait de l'absence de redistribution des fruits de la croissance. Ce taux est de 47%, toujours selon l'INSEA et l'AFD, car seule une minorité jouit des fruits de la croissance. Des 10% de pauvres ivoiriens dans les années 80-90, on est passé à 47% aujourd'hui, toujours selon l'INSEA et l'AFD, l'Agence française de développement. Le chômage se situe en 80-90% de la population active selon un rapport de la Banque africaine de développement. Le dernier rapport de l'Union européenne enfonce le clou, la Côte d'Ivoire affiche l'image rassurante d'une stabilité retrouvée portée par les taux de croissance de 8% en moins depuis 2011, mais les indicateurs sociaux stagnent et le taux de pauvreté à 46% en 2015. La croissance ne profite pas et ne bénéficie pas à la population, écrivent les ambassadeurs de l'Union européenne dans leur rapport de juillet 2018. Enrichissement spectaculaire de la classe dirigeante selon le rapport. Selon l'Union européenne, le pays, la Côte d'Ivoire, paraît moins solide et moins démocratique que la bonne image qu'elle semble afficher. Et les autorités ivoiriennes sont hermétiques à tout dialogue, comme si elles semblaient vouloir contrôler toutes les poches de pouvoir, tous les aspects du pouvoir, et mettant l'opposition à la périphérie du champ démocratique. Sur le plan politique, la création du parti unifié RHDP, annoncé par le président Alassane Ouattara comme la solution pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire, a viré à la farce, à l'arnaque. Le PDC-RDA, le parti allié du RDR au pouvoir, a quitté le navire. Et aujourd'hui, il y a la dissension des partis comme l'UDPC du docteur Albert Mabou Touakos menace de quitter également le navire. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont dit clairement qu'à travers ce parti unifié RHDP, c'est une manière pour le président Alassane Ouattara de vouloir remplir indirectement au pouvoir en 2020. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Ivoiriens constituent la première source d'immigration en Europe via la Libye, avec les risques d'esclavage et de mort par noyage que cela comporte. Parmi plus de 11 000 migrants clandestins répertoriés, les Ivoiriens sont les plus nombreux engagés dans l'immigration clandestine selon le rapport de l'Organisation internationale des migrations, OIM. Et cela n'a nullement empêché le chef de l'État de s'octroyer dans la loi de finances 2017 un fonds de souveraineté de 342 milliards de francs CFA et un budget de la prison de 100 milliards de francs CFA. Les chiffres sont à peu près identiques dans la loi de finances 2018. Le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire de 46% du produit intérieur brut n'est pas encore à un niveau de surendettement. Mais il y a de quoi s'alarmer car la Côte d'Ivoire a quasiment reconstitué son stock de la dette avant l'initiative PPT, pays pauvre moins endetté. Le gouvernement agit comme s'il était condamné à emprunter sur le marché international des capitaux pour boucler son budget, alors que le pays est immensément riche et l'accent devrait peut-être mis sur un budget basé sur nos ressources propres. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes, je forme le vœu que 2019 soit le meilleur à tous égards et que les Ivoiriens voient enfin le fruit de leur labeur. En tout cas, les babouistes de EDS et du FPI et leurs alliés, lorsqu'ils reviendront au pouvoir en 2020, feront de la réconciliation nationale, de la libération des prisonniers politiques, du retour sécurisé des exilés, de la lutte contre la corruption et le rattrapage ethnique, de la lutte contre le chômage et la cherté de la vie, de la lutte contre les microbes et l'insécurité, de la valorisation des prix des produits agricoles achetés aux paysans, la priorité de ces priorités. Ivoirien, Ivoirien, bonne heureuse année 2019. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.